Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur SEF TV, la web TV de la communauté des entraîneurs francophones de football. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2021. Comme je disais, une bonne année positive. Elle a été positive dans un certain sens en 2020, mais j'espère qu'elle sera positive dans le meilleur sens en 2021. Et c'est vrai qu'on ressort un peu drogué depuis un ou deux jours concernant l'annonce de la reprise des entraînements, la reprise de la pratique sportive, avec les déclarations de la ministre Glatini et toutes les précisions concernant la reprise des entraînements. Mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que vous allez bien ce matin pour une 36e émission de SEF TV consacrée à la préparation physique. Alors même si c'est vrai, voilà, il y a des incertitudes concernant la reprise d'entraînement, enfin dans le sens qu'on ne peut pas reprendre pour l'instant, mais des incertitudes concernant la continuité du championnat. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais actuellement, dans un sens ou comme dans l'autre, personne ne peut prédire l'avenir et se dire « Ok, on va vers une saison blanche où on va pouvoir continuer le championnat. » Voilà, c'est toute la question, mais c'est vrai que on peut être un petit peu pessimiste. Et c'est la raison pour laquelle on a initié cette thématique aujourd'hui sur la préparation physique. Quelle préparation physique pour la reprise des championnats après cet arrêt plus de 3 mois où finalement les footballeurs ont été sevrés de matchs et d'entraînements. Alors certains, c'est vrai, ont continué à s'entraîner individuellement ou collectivement en virtuel via des programmes donné par le staff technique, mais tout cela, finalement, ce désentraînement, ce manque de match va avoir un impact sur le physique des joueurs et aussi sur les performances futures en championnat. Donc l'entraîneur va être confronté avec ses joueurs, avec des joueurs en forme, semi en forme ou pas du tout en forme, et ce désentraînement justement entraîne une perte de la masse musculaire. Une augmentation aussi de la masse grasse, surtout avec les fêtes, même si on n'a pas pu faire la fête comme des fous, on aurait pu le faire les années précédentes, mais bon, voilà, je pense qu'on a bien vécu pendant ces 2 semaines, et aussi une diminution des capacités sportives, mais aussi, pas seulement physiques, mais aussi techniques, le manque de ballon. Donc, comment donc aborder cette reprise en tenant compte de tous ces paramètres, et aussi éviter les blessures, ok? Ça c'est important et voilà comment réussir une préparation physique pour la reprise. Alors j'espère, vous êtes assez nombreux, je salue tous ceux qui sont connectés, je vois Didier Liévert qui est contact provincial pour le NO, Tanner aussi, je vois de fidèles auditeurs, je salue Pierre Salme aussi, voilà, et tous ceux qui sont connectés. Donc n'hésitez pas à réagir durant l'émission, mais gardez vos questions après les présentations. Ainsi, nos intervenants se feront plaisir d'interagir, de réagir et de répondre à toutes vos interrogations. Alors, pour débuter cette émission, je vais accueillir notre premier intervenant, qui est Bernard Smits. Bonjour Bernard. Bonjour Rudy. Bienvenue aux auditeurs. Je coupe de l'autre côté, je m'excuse. Pas de souci. Voilà. Donc, bienvenue à tous et j'espère que on pourra vous aider avec notre exposé et échanger afin d'apporter des solutions. Et ce que je trouve qui est très intéressant, et c'est le mot communauté, donc c'est qu'on va certainement, je vais certainement encore apprendre des choses avec l'échange que vous allez nous apporter. C'est d'apprendre les uns des autres, d'échanger, ça c'est important. Et alors, c'est vrai qu'il y a toute la partie académique qui est importante. Je prends toujours l'exemple, si on veut conduire une voiture, on doit passer par l'étude du code de la route. Mais après, l'expérience en voiture se fera en conduisant. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qu'on veut un peu au niveau de la SEF, c'est d'avoir ce partage d'expérience que tout le monde a, les uns et les autres. Il y a une richesse à travers. Et je trouve parfois qu'on ne le partage pas assez, Bernard. Non, c'est vrai. C'est vrai que le souci, c'est que souvent, on aime garder ces petits exercices, ces petits secrets. Moi, je pense que d'échanger, j'ai toujours été ouvert. J'ai toujours travaillé dans les staffs actuels en donnant tout ce que je faisais parce que
on apprend de tous. Donc, un exercice de quelqu'un, ben, il peut vous donner des idées pour développer les vôtres, pas simplement faire du copier-coller, bien qu'au départ, on part souvent de ça, mais après, on crée, et c'est justement ça aussi qui est intéressant dans le métier d'entraîneur, enfin de préparateur physique, d'entraîneur, ben, c'est justement de trouver des nouvelles petites choses pour améliorer ce qu'on fait déjà. Oui, tout à fait, des petites variantes et autres. Alors, c'est sûr qu'à l'heure de la vidéo, aujourd'hui, on ne sait plus rien cacher, finalement. Hein? Avant, Non. il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, la vidéo, on avait encore nos petites recettes secrètes. Mais on voit qu'au final, bah, ce n'est pas ça qui va faire qu'on va avoir des résultats, ça contribue. Mais bon, voilà. S'il y avait des recettes toutes faites, on serait tous Ben en train de les ça appliquer. saurait. Et les seules On serait recettes qui tous en comptent dans vie. le sport, tout à Voilà. fait. Et les seules recettes qui comptent dans le sport, ben, finalement, c'est les résultats. C'est le résultat des matchs, c'est le résultat des classements. Je veux dire, c'est la chose, malheureusement ou heureusement, la plus importante. Et c'est ce qui nous fait nous dépasser, à faire réaliser nos objectifs. Tout à fait. Les résultats, et quand on voit encore le nombre de changements d'entraîneurs, rien qu'en Pro League, c'est effarant. Hein? Donc, on voit bien que le résultat, il est mis et ils sont mis très haut. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Bernard, petite présentation. Donc, entraîneur et préparateur physique, actuellement de l'URSL Visé en Première Nationale, avec bah, ton comparse de toujours, José Riga, hein, qu'on salue Tout à aussi. fait. Voilà, et Tout à fait. signaler aussi que toi ou José, bah, vous avez toujours répondu favorablement aux demandes de la SEF pour partager vos expériences. Et ça, je t'en remercie. Tu as aussi travaillé au Cercle de Bruges, à Metz aussi. Voilà, tu as un beau parcours, beau vécu et beaucoup d'expérience. Alors, on Merci. accueille tout de suite notre deuxième intervenant. Voilà, bonjour Nicolas de Matos. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc pour te situer, moi je ne te connaissais pas, c'est via Lionel Gondry qui est contact provincial de Luxembourg, lorsqu'on a commencé à discuter de la thématique, il m'a dit, ouais, il est en contact, il a insisté, hein, il a insisté, donc je ne te mets pas la pression, hein, je ne te mets pas la pression, mais il m'a dit, non, non, écoute, il faut que tu, voilà, il faut que tu l'invites, voilà, donc c'est Voilà. fait, et je remercie d'avoir répondu à cette invitation. Ouais, c'est avec Alors, oui, tu es préparateur physique pour te situer, tu as travaillé 12 ans à Virton, 2 ans dans le centre de formation et 10 ans avec l'équipe première, c'est ça? Ouais, exact. Donc moi, je renoue un peu le contact avec le milieu du foot aujourd'hui. Bah, c'était mes premiers amours, on va dire, puisque en tant que préparateur physique, j'ai débuté à l'Excelsior de Virton et j'y suis resté en fait toujours. Voilà, parce que c'était un club d'abord familial, un club qui m'a permis aussi de commencer en tant que préparateur physique et qui m'a donné l'expérience aujourd'hui de créer ma propre cellule de pluridisciplinaire, donc avec d'autres acteurs du milieu sportif et de la santé. Et donc voilà, suivi Sport Concept qui me permet aujourd'hui de travailler toujours dans le milieu du foot, mais dans un domaine plus large. Et aujourd'hui, j'avais à cœur vraiment de pouvoir renouer le contact avec des acteurs du monde du foot. Donc voilà, et le Tu vois qu'on partage n'est jamais oublié. expérience. Pardon? On n'est jamais oublié, tu vois. Oui, bien Il y a sûr. des entraîneurs qui disparaissent de la circulation, voilà. Voilà. On demande toujours qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc voilà, via le. C'est ça, et comme disait Bernard, la communauté, ça qui est bien, c'est relationnel, en fait. Et au Oui, bien sûr. final. Comme dit Bernard, moi aujourd'hui, je n'ai franchement pas de soucis à partager. Et les meilleures expériences que j'ai eues, et en tout cas la meilleure formation que j'ai eue, c'était des entraîneurs qui étaient ouverts. Et aujourd'hui, on a essayé avec Bernard de proposer un contenu qui était riche et qui avait du sens. Parce que donner des programmations simplement avec des calculs et des notes écrites, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le visuel aujourd'hui est important et l'échange en plus dessus est riche, quoi. Donc voilà, c'était le souhait aujourd'hui de rendre quelque chose de le plus attractif possible et le plus précis à donner aux auditeurs et aux personnes qui sont moins spécialisées dans le domaine. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un contenu très concret, avec des exercices et des programmes aussi, mais très concrets, des vidéos aussi. Donc, voilà, c'était une demande de nos auditeurs. Et vraiment, je vous remercie tous les deux parce que vous avez fait un gros travail à sortie des fêtes, début d'année comme ça. On avait programmé ça, mais c'est vrai que vous avez fait un gros travail cette semaine et vraiment, je vous remercie. Voilà, et bien, sans plus attendre, je vais laisser la place à Bernard. Pour cette première présentation. Donc, voilà, vous pouvez réagir, mais gardez vos questions pour la fin et nos deux intervenants y répondront. Voilà, je vais.
Voilà, à toi Bernard. Ok, donc voilà la présentation donc, qu'on a faite avec, avec Nico. Donc moi je vais commencer par une explication, je vais dire un peu plus théorique. Hein, d'accord, donc comme disait si bien Rudy tout à l'heure, ben, voilà, avant de parler du concret, on remet un petit peu des bases, surtout pour ceux qui les ont peut-être oubliés ou qui les maîtrisent un peu moins. Donc voilà. Donc il y a évidemment le contexte de la reprise hein, qui est important, mais la situation, elle est toujours indécise. C'est ce qui est le plus difficile pour nous, préparateurs physiques et entraîneurs, ben, c'est de se dire, ben, OK, on va reprendre quand hein, parce que évidemment, tant qu'on n'a pas une date fixe, ben, c'est toujours plus compliqué de motiver les troupes et de les tenir éveillées. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ben, c'est la période, finalement, qu'on devrait nous laisser pour recommencer ce championnat. Donc, et peut-être seulement 4 semaines de préparation, ben, c'est un minimum. Donc, un autre facteur ben, qui est dû à la période, hein, le climat, ben, je veux dire, voilà, partout, hier ben, où on était survisé, il n'y a pas de neige, 10 km plus loin, il y en a. Donc, tu ne sais pas travailler de la même façon pour l'organisation des exercices. Ben, ça peut poser un problème. Donc, il faudra aussi trouver des moyens de s'adapter. Mais la plus grosse discussion qui tourne actuellement, ben voilà, si tu dois faire une préparation, si tu fais une préparation sur un championnat qui compte ou une préparation sur une saison blanche, ben je pense que le contexte sera différent. Maintenant, nous, on a choisi de faire une reprise sur un championnat qui comptait parce que en tant que compétiteur et entraîneur, ben moi, je préfère et mon Nico aussi que ça compte. Donc, ça, c'est un peu l'expérience ben, vécue du premier confinement. D'accord, ben, pour une fois, on a su déjà tirer profit de cette période d'attente. Ben, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés après une longue pause ben, Covid ici ben, on a surtout vu une diminution de la psychomotricité avec ballon. Donc, lors des reprises en juillet, eh ben, la plus grosse difficulté des joueurs, hein, c'était justement cette relation avec ballon qui nous a marqué. Donc, ben, évidemment, le dosage des passes, les frappes, les dribbles, la précision du jeu de tête, voilà, la rapidité également de décision dans le jeu a fait naître quelques problèmes et quelques frustrations parce que ben, voilà, ça ne m'allait plus aussi bien qu'avant. Donc, voilà, évidemment, ça revient avec le temps et avec l'entraînement. Donc, purement physique, ici, on a eu ben, une diminution de la capacité d'explosivité dans la vitesse, donc dans les sprints, dans les sauts. Hein, parce que bon, la capacité d'endurance, elle a été travaillée parce que, ben, dans notre cas, beaucoup de joueurs ont continué avec des sorties de course, même un peu avec de l'intermittent de l'intensité, mais du spécifique vitesse. C'est plus dur à être travaillé en solitaire. Donc voilà. Donc j'ai mis après comment établir un programme de reprise. Ben, il y a 3 points, mais le point le plus important pour moi, ben, c'est la relation que tu as avec ton joueur et c'est de faire le point individuellement avec chaque joueur afin d'essayer de quantifier la charge de travail réellement faite pendant ce confinement, donc le nombre d'entraînements qu'ils ont fait par semaine, le type, ben, musculation, gainage, endurance, intermittent, ben, tout ce qui peut être, hein, peut-être certains foot 2 contre 2, hein, dans des petites boules, voilà, et aussi les éventuelles blessures hein, qu'ils auraient pu avoir. Donc ça, c'est un point de départ pour moi important. Le deuxième point, ben, c'est dans la mesure du possible, évidemment, c'est de retester son joueur avant de redémarrer. Donc, ben, idéal, c'est de faire le même test qu'en début de saison pour avoir les valeurs actuelles. Voilà, quelqu'un qui a bien travaillé en intermittent pendant la pause
Donc, c'est ce que nous, on avait préconisé, de quand même garder une certaine intensité. Ben, on a très peu de diminution au point de vue physique dans l'intensité, mais dans l'intensité de course, évidemment, individuelle et structurée. Hein, quand je dis structurée, ben, voilà, c'est des temps d'effort qui sont bien définis. Quand tu joues une partie jouée, ben, ton temps de récup, il dépend de ton opposant, du ballon, de beaucoup de choses, et pas uniquement du chrono. Donc, comment établir de nouveau un programme de reprise? Moi, je dirais que idéalement, c'est au moins de faire 3 séances par semaine pour avoir au moins une progression. Donc, si pas possible collectivement, ben, je pense qu'on demande aux joueurs une séance individuelle supplémentaire. Ça, ce serait bien, qui, à mon avis, est plus facile au moment où on a repris des collectifs. Hein, je vais dire, la difficulté également, c'est cette longue absence. Ben, on a pu constater qu'au début, ben, les gens s'y tiennent. Et puis, la longueur fait qu'il y a une petite baisse dans les entraînements. Et c'est là que ben, le travail de contrôle pour nous, la motivation par des réunions Zoom, eh ben, on a essayé de relancer et de repartir sur, je vais dire, un programme suivi. Voilà, donc quels sont nos conseils pour préparer son entraînement? Ben, il faut garder une intensité dans les entraînements. Pour moi, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. En plus, avec 2 voire 3 séances, eh ben, je vais dire, le seul moyen de revenir assez rapidement dans la forme physique, ben, c'est d'avoir une très grosse intensité. Donc, évidemment, il faut l'augmenter progressivement. Hein, et d'essayer de garder cette intensité maximale, donc adaptée suivant l'exercice. Ici, et ça, je vais dire, c'est un conseil personnel, c'est de bien respecter la récupération. Donc, je vais dire, une récupération complète, hein, au moins 4 minutes, va permettre d'essayer de tenir le plus possible cette intensité maximale qui nous fera progresser. Et en mettant une récupération complète, ben, on va évidemment essayer de diminuer le risque de blessure. Donc, la chose la plus importante, mais qui est aussi bien là pour la proprioception, mais aussi pour la tête, c'est de varier les exercices au maximum, hein, et de varier ces gestes footballistiques, ben, ce contact pied-ballon, angle de passe, longueur de frappe, possession de balle. Je vais dire, ben, d'essayer de retrouver le plus possible ces sensations de foot, hein, et tout ce que ça engendre. Donc, alors, vu le nombre limité de séances, ben, c'est de mettre le plus possible d'exercices avec ballon, parce que bon, les gars, pendant 3 mois, s'ils ont tenu vos programmes individuels, ils ont fait beaucoup de courses, beaucoup de gainage, donc ils ont envie de retrouver ce ballon, ce collectif. Voilà. Donc, même dans les échauffements et si possible dans les courses, dans l'intermittent, ben, le plus possible d'exercices avec ballon. Donc, notre programmation, sur quatre semaines. Moi, ici, je vais vous donner les thèmes et après, ben, je laisserai Nico montrer le type d'exercice. Donc, voilà, je pars sur 2 séances semaine, qui est quand même la plupart des entraîneurs pour les séries provincial, ben, je pense même en national, peut-être pendant l'année chez certains. Donc, une séance A, donc celle de reprise, ben, moi, je fais un bon échauffement articulaire et cardio, 15aine de minutes. Moi, je prends le test Vameval parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Maintenant, on peut faire un léger boucher, un gacon. Voilà, peu importe, vous utilisez le test auquel vous êtes habitué et que vous maîtrisez le mieux et auquel vous avez les meilleurs chiffres pour comparer l'avant et l'après. Voilà, après, je fais des exercices techniques par 2 ou 3 joueurs, si possible déjà en mouvement. Hein. Il faut garder le mouvement pour moi dans pratiquement tous les exercices. Ça aide aussi à retrouver plus vite ses sensations et à augmenter, ben, sa capacité d'endurance. Hein. Donc, et puis des exercices de passing en variant évidemment les angles, les gestes, les distances.
une deuxième séance où je refais un petit échauffement articulaire de 5 minutes, une remise en place, on va dire ça comme ça, et je pars sur des circuits de proprio avec gestes techniques adaptés, donc des échelles de rythme, des cerceaux. Et puis, je repars dans du circuit passing. Pourquoi du circuit passing? Ben parce que c'est déjà de l'endurance. En mettant du tempo dans le passing, ben on fait monter les fréquences cardiaques et le temps que tout le monde passe, on a quand même des temps de récupération. Et évidemment, ben, les joueurs viennent aussi pour faire de la conservation de ballon avec du taureau ou divers jeux de possession. Dans l'autre sens, pardon. Voilà. Donc, pour ma deuxième semaine, ben, il y a une évolution, un échauffement articulaire et cardio avec ballon 15 minutes. Et là, on part déjà sur les intermittents. Soit ça nous permettra de voir qu'ils ont bien bossé pendant les mois d'arrêt, ben, soit ça leur permettra encore de se remettre en jambe et de progresser. Voilà, moi, je pars sur 3 blocs de 7 à 10 minutes suivant l'état de forme. Et évidemment, après, des jeux de possession avec un grand nombre de joueurs pour garder une intensité, mais une intensité qui n'est pas maximale, et de pouvoir aussi augmenter ce temps de jeu. Deuxième séance, échauffement, circuit proprio, donc en variant également les exercices, en augmentant un petit peu l'intensité. Et puis alors, ben, jeu de conservation avec un petit nombre, 4 contre 4, 4 contre 4 avec appui, 8 contre 4. Voilà, on augmente l'intensité dans le jeu. Et on termine avec voilà, des exercices de finition, des frappes au but, des centres, ben, pour retrouver également les gestes techniques et les bonnes sensations devant le but qui sont quand même importantes. Troisième semaine, un échauffement articulaire, la première séance du cardio, toujours de nouveau des intermittents. Voilà, l'intermittent va être vraiment la base à garder sur ces 4 semaines. Hein, je vais dire 30-30. Maintenant, si votre niveau est déjà bon de votre groupe, on peut passer avec du 15-15 sans problème. Donc, voilà. Et on continue avec des jeux de possession parce qu'aussi dans l'esprit des joueurs qui viennent à l'entraînement et encore plus partout en provincial, ben, ils veulent du jeu. Donc, basez le plus possible même vos exercices sur du jeu. La deuxième séance. Voilà, un échauffement technique. Et alors, on commence avec des circuits force-vitesse. Hein. Voilà, 4 à 5 ateliers, 6 à 10 répétitions, saute et avec heading, multibond, frappe, etc. Et de nouveau, du jeu de conservation en plus grand nombre. Donc, ça met quand même une intensité moindre après la force. Ben, quatrième semaine, on est déjà à la semaine qui reprendra le championnat, on va dire ça comme ça. Donc là, l'intermittent avec ballon, 1 contre 1, 2 contre 2, 4 contre 4, donc vraiment l'intensité début de semaine, et puis des circuits de finition ou travail tactique, évidemment. Et la deuxième séance, on est en passing, on est nouveau dans la force vitesse. Je veux dire, ben, si tu joues le dimanche, hein, tu le fais le jeudi, tu n'as pas de problème. Je veux dire, maintenant, si tu joues le samedi, et que tu fais le jeudi, il faudra évidemment l'adapter. Et de nouveau, des conservations de balles et du travail tactique. Donc voilà, ici, c'était vraiment un schéma classique ben, de base à 2 séances. Évidemment, si vous pouvez rajouter une troisième séance d'entraînement, ben, vous savez étaler votre charge de travail et passer encore plus de temps avec justement même travail tactique, hein, qui est aussi important à développer. Donc, voilà, moi, quelques types d'exercices, on va vous mettre en plan, c'est justement une organisation, d'accord, sur terrain. Maintenant, il y en a beaucoup, et ça, c'est justement à vous de les créer. Moi, je vous montre 3 types fichiers, et puis après, ben, Nico va vous montrer une préparation en vidéo avec des exercices type. Donc, voilà, par exemple, ça, c'est un intermittent ballon où les joueurs partent d'une possession de balle, s'appuient, et puis on attaque à 4 contre 2 avec, évidemment, un temps déterminé pour finir au but. Ici, voilà, un petit circuit de plio avec des exercices qui finissent avec ballon.
Mais Nico va vous également vous le montrer en vidéo, ce sera beaucoup plus parlant. Hein, ou voilà, alors là, évidemment, ben, ce que les joueurs aiment le moins, mais c'est des courses à VMA avec des distances adaptées. Ici, on part sur un 40-40 avec du ballon, ça peut être du 30-30, du 15-15. Ben, évidemment, vous adaptez les vitesses suivant vos groupes de force et vous adaptez aussi la distance. Si vous mettez plus il y a des changements de direction, ben plus on diminue évidemment la distance. Voilà. Donc ici un 30-30 qui est mixte, soit avec des exercices purement proprio, saut, force avec une course, où vous pouvez très bien, et à la limite quand vous avez peu de temps adapté, avec un exercice technique pendant 15 secondes, évidemment au maximum, et puis une course à VMA. Donc voilà, ici ben, c'est du renforcement musculaire ben, autour d'un rond central, hein, c'est pareil, mais avec du matériel, du bossu, ça c'est purement physique, préparation physique. Hein, mais je vous dis vraiment, ici c'est une fiche, Nico va vous montrer ça bien plus gaiement avec ses vidéos. Voilà, donc moi je passe, merci pour l'attention. Hein, et je passe la parole à Nico. Voilà, Rudy. Ok, ben merci Bernard. Alors, je vais faire apparaître la présentation de Nicolas. Et on avait déjà une petite question, une petite remarque que vous voyez ici à l'écran. Ben, il est clair qu'ici, on parle que si on peut reprendre les entraînements, ben, normalement. Hein, ok, si... Tout à fait. Voilà, tout à fait. Je veux dire, nous, on part du principe qu'on nous donne une autorisation, ils fixent une date de reprise, des entraînements qui sont normaux avec évidemment une reprise de championnat fixe. Ben, malheureusement, enfin, si on peut déjà reprendre, même sans contact, ben, ce serait déjà intéressant pour le physique. Ben, bien sûr qu'après, les exercices technique et de possession, ben, il va falloir trouver des jeux sans trop de contact. Maintenant, ben, ça vous laissera vraiment la place de faire de la PP avec du contenu uniquement PP. Mais bon, on attend tous à reprendre avec contact, à reprendre le jeu. Je pense que c'est ce qui manque le plus à tout le monde. Ouais, tout à fait. Ok. Ben voilà, Nicolas, je te cède la place. Bien, merci, merci Bernard. Voilà. Donc ici, on avait à cœur donc de vous montrer un peu quelques vidéos d'entraînement ou de séquences d'entraînement avec des petits contenus variables par rapport à la programmation de base de Bernard, qui permet notamment à certains moments de pouvoir mixer certaines qualités qui sont indispensables. Et l'avantage, c'est que dans le foot, les qualités physiques, on les retrouve toutes, que ce soit la qualité de force, d'endurance, de vitesse. Comme a dit Bernard ici, ben le temps est important, il est relativement court, donc il faut avoir en tête de rapidement pouvoir, en tous les cas, pouvoir soutenir des intensités, et surtout dans la capacité à réitérer les efforts de courte et de moyenne durée. Donc ici, on a un circuit que l'on appellera endurance vélocité appui, qui permet notamment de reprendre le contact avec la préparation physique qui est plus spécifique, avec à la fois des contenus en endurance sur une forme de circuit ici que l'on peut varier dans ses déclinaisons en termes d'intensité, en termes aussi de durée. Donc le principe, c'est de partir sur une séquence. Hein. Ici, on était sur du 12 minutes, mais entre 8 et 12 minutes de la séquence. Avec, vous le voyez, sur les extérieurs des ateliers. Donc il y en a à chaque fois. Donc là, sur mon curseur, il y en a 2, 3, 4 et 5. Et donc cette série 1, avec 5 ateliers de part et d'autre du terrain, sur la largeur du terrain, qui va être délimitée aussi au centre, vous voyez, par 4 plots rouges qui sont mes plots qui me permettront notamment de réaliser mes transitions entre les exercices. Vous voyez les joueurs qui réalisent des exercices sur le côté et qui, une fois après les 20 secondes d'exercice, ben, vont faire une course, une petite récupération qui est ici de type active, vraiment très légère et qui permet dans cette première série de reprendre contact avec la course, mais aussi avec des exercices
sur le côté, et on reviendra sur les types d'exercices sur la DIA numéro 2, mais des exercices où on va mixer un peu toutes ces qualités d'appui, de coordination, prolongées ou non prolongées. On le verra, tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, dans cette première série, le but, c'est de aussi progressivement de jouer sur les intensités. Vous voyez ici, les joueurs vont alterner des courses de récupération active courtes entre les plots rouges, mais aussi entre les plots verts. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'un joueur se dirige vers le centre du terrain, si en face du plot rouge, il y a un plot vert, elle va contourner. Donc, vous voyez ici, sur l'exemple numéro ici, sur l'avant-dernier atelier, j'ai un joueur qui vient de ce côté du terrain qui va contourner le plot vert, tandis que celui à l'opposé va contourner le plot rouge, ce qui permet de créer un peu des intensités différentes au sein même d'une même série et d'aller rechercher ce qu'on appellera dans le milieu de la préparation physique un effort de type fartlek où on module ainsi les intensités avec un exercice en vélocité où on va demander une grande intensité dans cet exercice et puis des courses entre deux ateliers qui sont plus ou moins longs. Alors, ça, c'est le mode de fonctionnement de cette série où pendant 2 minutes, je vais demander à mes joueurs d'alterner donc ces ateliers-là. Chaque fois, entrecoupé d'une course qui me permet de regagner l'atelier suivant. Et lorsque tous les ateliers ont été réalisés, les 5 premiers ateliers, je traverse simplement le terrain en 20 secondes. Donc, on est sur un mode de travail en 20-20. Pourquoi 20-20? Parce que ça permet de maintenir une certaine intensité dans les exercices et donc de garder aussi une qualité de travail, que ce soit dans les appuis ou dans les exercices de coordination. Et donc, sur cette deuxième séquence de travail ici, vous voyez qu'il y a, en plus, ça s'est bloqué tout seul, vous voyez qu'en plus, il y a des petits plots blancs. Ces petits plots blancs, ils sont situés à une vingtaine de mètres de l'atelier et ils ne sont pas mis à chacun des ateliers, mais à un atelier sur deux. Et ce qui permet de pouvoir commencer à mettre des allers-retours dans ma série. Donc, le but ici, c'est que, en fait, le joueur oublie un peu l'atelier à laquelle il est et il le remplace par une course qui est plus soutenue. Donc là, je vais faire un petit arrêt sur ma vidéo. Je vais laisser juste passer ici. Donc, si je reprends l'organisation de départ, vous voyez donc 1, 2, 3, 4 et 5 ateliers avec entre les ateliers chaque fois un plot rouge, 1, 2, 3 et 4. Ce qui permet, quand mon joueur 1 a terminé son atelier en 20 secondes, de venir contourner le plot central et aller à l'atelier suivant. Une fois qu'il a terminé, chaque fois, il va chercher l'atelier suivant en passant par une course intermédiaire qui est au centre du terrain, qui est mon plot de repère rouge. Une fois que j'ai terminé mon cinquième exercice en bout d'atelier ici, je vais traverser, j'ai 20 secondes ici pour traverser et revenir chercher les ateliers de ce côté-ci. Ça, c'était mon mode de progression numéro 1. Le mode de progression numéro 2, c'était quoi? C'était de pouvoir alterner une fois une course autour du plot rouge et une fois une course autour du plot vert. Vous voyez que la distance est augmentée. Donc, je vais alterner mes courses de manière pyramidale, une course courte, une course plus élevée, une course courte, une course plus élevée. Et donc, je joue sur ces variations d'intensité, même dans ma récupération, puisque vous voyez que ici le circuit il est tout à fait en continu, mais sur les 12 minutes, je varie quand même les intensités. Alors, un mode de progression supplémentaire, je vous l'ai dit, vous voyez, il y a 4 plots blancs qui sont placés à certains ateliers. Il est placé sur le 5e, ici, atelier, il est placé sur le 3e, et de l'autre côté, il est placé sur l'atelier numéro 2 et sur l'atelier numéro 4. Ce qui permet pendant, par exemple, le 2 minutes, je dis à tous mes joueurs, pendant 2 minutes, le mode de progression, c'est le mode de progression basique, simple, où quand j'ai fini l'atelier, je vais faire une course autour du plot rouge. Et donc, pendant 2 minutes, on tourne sur du 20-20, atelier, course, plot rouge, comme ceci pendant 2 minutes. Et puis, les 2 minutes suivantes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, pour les ateliers numéro 5, et 3 de mon côté, pour les ateliers 2 et 4 de l'autre côté, quand vous arrivez à l'atelier, si vous voyez qu'il y a un petit plot à l'atelier, vous oubliez l'atelier de vélocité et là, vous allez engager une course en double aller-retour sur 20 mètres, qui est une course qui est
plus soutenu, où là, je mets déjà des changements d'appui avec des allers-retours et bloqué au niveau musculaire. Ça demande déjà aussi des contractions et des tensions plus importantes puisque j'insère le changement de direction. Et donc, au fur et à mesure de mes séquences, je peux adapter les modes de progression différemment pour permettre justement d'aller chercher au fur et à mesure de mes séries, en tout cas, de plus en plus d'intensité. Alors ici, on est sur des blocs de 3 fois 12 minutes, 20 secondes de travail, 20 secondes de récupération que l'on pourrait dire active, mais qui, au fur et à mesure des séquences, sont de plus en plus soutenues. Donc, en fonction du niveau de votre groupe, vous pourriez très bien faire 3 fois 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes, et mettre des récupérations relativement conséquentes, comme on en a parlé tout à l'heure avec Bernard. Pourquoi ? Parce que ça doit permettre dans la séquence suivante, dans la série suivante en tout cas, d'avoir une qualité dans tous mes exercices, qu'ils soient en vélocité, qu'ils soient en appui. Et donc, je vais modifier comme ceci au gré de l'état de forme de mes joueurs en allant rechercher certains types d'intensité. Je pourrais faire très bien une séquence 1 sur un mode de progression, une séquence 1 avec le mode de progression numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc ça permet de jouer sur les intensités et de pouvoir aussi remettre rapidement le joueur à goûter des intensités différentes parce que, comme on l'a dit précédemment, ils ont fait beaucoup de courses endurance sur des fréquences qui sont relativement basses ou stables pour développer ce qu'on appelle la capacité aérobie. Et puis là, maintenant, il faut qu'on aille rechercher et stimuler des fréquences cardiaques qui soient un peu plus élevées. Voilà. Alors, dans la dia suivante, pour vous montrer le type d'atelier que l'on peut retrouver, il y a des ateliers de pliométrie basse que vous retrouvez à l'aide de cordes à sauter, que l'on retrouve aussi à l'aide de steps. Les steps sont très utilisés et permettent justement ce travail de coordination, que ce soit sur des appuis latéraux, que ce soit sur des appuis de face. L'utilisation des bonds avec des temps de contact qui sont plus ou moins prolongés, qui permettent de mettre une tension musculaire plus importante. Alors si vous y mettez bien évidemment des exercices avec des contraintes musculaires beaucoup plus importantes, faut savoir que la durée de maintien de la qualité va être aussi elle moins importante. Donc vous allez peut-être devoir jouer sur la durée totale de la série en la diminuant, mais en gardant ce côté qualité qui doit toujours être prédominant. Travaille bien évidemment dans les cerceaux en travail de réaction en cheville. Step, on en a parlé. L'utilisation aussi de Bosu pour rechercher cette instabilité avec des mouvements de coordination croisés-décroisés, avec des mouvements aussi qui sont proches de ce qu'on retrouve sur un départ de sprint, sur ce qu'on pourrait retrouver dans la gestuelle en tout cas du footballeur. Donc tout ça est évidemment à mettre en place, et ces ateliers sont évidemment à mettre en place sur l'extérieur du terrain. Alors un autre type qu'on peut utiliser en semaine 1 et semaine 2, c'est ce qu'on appelle le circuit endurance de force, qui dans les timings sont relativement les mêmes, à savoir qu'on met en place 3 stations et qui vont solliciter d'abord musculairement un groupe musculaire, puis la mise sous tension via un exercice pliométrique, et puis derrière une course qui est une course navette. Donc ici j'ai un exercice mais qui n'est pas, la démonstration ne vient pas du milieu du foot, mais je l'ai déjà reproduit, mais je ne l'avais ici qu'avec des escrimeurs que je suis ici. Donc ici j'ai un travail d'arraché ici sur fente qui est mon premier atelier de musculation. Donc pendant 20 secondes, je vais demander à mobiliser musculairement. Et puis ensuite, pendant 20 secondes, il va y avoir un travail de corde à sauter, un travail de pliométrie que je vais enchaîner directement. Donc ici, en rouge, il est sur le premier atelier de musculation. Et puis derrière, je vais mobiliser par une course soutenue ici, course navette par exemple, 2 fois 40 mètres. À nouveau, je peux aussi jouer sur des intensités ici, c'est des escrimeurs, je demandais de terminer sur un mouvement d'escrime. Et donc, ces stations-là, j'en vais en mettre une dizaine. Je peux reprendre exactement la même ossature, je veux dire, même organisation que j'avais au départ, c'est-à-dire mettre 5 ateliers de chaque côté du terrain, avec 8 mètres plus ou moins d'espace entre les ateliers. Et donc, je fais une alternance
d'un exercice donc musculaire, comme on l'a vu, un exercice pliométrique et une course. En fait, l'organisation reste la même. Vous vous rappelez sur les exercices précédents, les plots qui étaient situés à 20 mètres, ben je demande à mon joueur de faire deux allers-retours. Et derrière, par contre, la récupération va être plus importante. On va avoir une récupération ici qui sera de 40 secondes, qui me permet pendant ces 40 secondes d'aller chercher, par exemple, un plot au milieu du terrain et de venir à la station numéro 2. J'ai 40 secondes, très cool, en récupération active, semi-active, en trottinant, et je vais donc enchaîner les différentes stations pendant 12 minutes où je vais systématiquement passer par du musculaire, du pliométrique et une course navette avec une durée de récupération un peu plus importante parce qu'on a vu que dans le circuit précédemment, en fait pendant 12 minutes, je n'étais jamais à l'arrêt. Récupération qui est importante, 5 minutes parce qu'on met une contrainte musculaire qui est un peu plus importante et si je veux garder la qualité au fur et à mesure de mes séquences et de mes séries, il faut impérativement que je puisse mettre une durée de récupération suffisante que pour permettre la régénération au niveau musculaire et de l'énergie nécessaire à produire ce type d'effort. Voilà. Alors, en semaine 2 aussi, on a parlé de l'intérêt, en tout cas, de pouvoir intégrer le ballon. Pour ma part, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est de travailler en bloc, c'est-à-dire de vraiment, quand on travaille le ballon, c'est toujours sous sa forme la plus simpliste, je vais dire, c'est-à-dire celle qu'on retrouve sur un terrain de foot, sur un jeu de conservation, sur un jeu de possession ou sur un petit jeu d'opposition. Et donc, le principe ici, c'est quoi? C'est de créer deux groupes. Un groupe qui va être éclaté en quatre stations. Vous voyez, vous avez deux joueurs ici qui vont alterner à chaque fois 8 répétitions d'un exercice qui est musculaire pendant que l'autre récupère. Et cet exercice-là, ils vont le répéter 4 fois chacun. Ça représentera la première série. Donc, je fais 8 fois. Je vais aller fermer. Là, ici, on a des petits fit lights. Je vais fermer 8 fois. Une fois que j'ai fermé 8 fois, mon partenaire prend le relais, il le fait 8 fois et on le fait 4 fois chacun, ce qui permet de travailler donc 8 répétitions de l'exercice 4 fois et ça fait ma première série. On prend une minute de récupération et on refait exactement le même travail pendant à nouveau 4 fois où je vais faire par exemple ici un travail de squat pendant 8 répétitions, mon partenaire va enchaîner. Pendant ce temps-là, il y a un deuxième groupe qui travaille ici, on ne le voit pas, mais il est situé entre mes quatre groupes, de travail. Il y a un groupe qui travaille ici au centre du terrain, en 2 contre 2, par exemple, avec 2 appuis en zone offensive. Et là, on demande une rotation toutes les minutes pendant 6 minutes. Donc, je passe 3 fois à l'intérieur du terrain, je passe 3 fois en appui. Et donc, après 6 minutes, logiquement, mon premier groupe à l'extérieur du terrain aura terminé ces deux séries. On fait le switch directement, ceux qui étaient extérieurs passent à l'intérieur et on peut travailler comme ça sous forme de bloc et d'augmenter ici 2 fois 24 minutes, ce qui permet de passer 2 fois sur les extérieurs et donc de passer à tous les exercices musculaires et 2 fois bien évidemment aussi à l'intérieur. Alors, le travail de force vitesse que l'on va entamer en semaine 3, donc comme on l'a vu dans le paramétrage tout à l'heure, une manière de faciliter aussi, c'est pas toujours facile quand on a un grand groupe de joueurs de dire bah vous faites 6-7 répétitions, puis vous passez à l'atelier suivant parce que du coup bah certains ateliers ont une durée qui sont plus ou moins identiques, puis il y a certains ateliers qui demandent un peu plus de temps et donc souvent il y a des temps d'arrêt, de récupération, de pause qui peuvent être trop conséquent pour certains groupes. Et donc, j'ai toujours travaillé sur des temps de station de 5 minutes, ce qui permettait de mobiliser donc un certain nombre de fois suffisant, en tout cas pour travailler la qualité de force-vitesse. Et donc, à nouveau, on crée 5 à 6 stations sur lesquelles on met 3 joueurs par station, ce qui permet d'avoir un temps de travail pour 2 temps de récupération, avec une mobilisation musculaire. C'est le cas ici avec un exercice sous la forme un peu différente avec bande et une petite caisse pliométrique. Et puis derrière une mobilisation explosive, bam, je cherche à reproduire un geste qui est un geste très simpliste de démarrage sur lequel, comme Bernard l'a dit tout à l'heure, on peut intégrer un exercice de ballon. On peut imaginer que derrière cet exercice-là,
je déleste complètement mon sujet et que je lui enlève l'élastique et qu'il doit faire une course derrière avec une frappe, par exemple. Vous avez un deuxième exemple ici. Ben, le joueur qui est au kettlebell derrière va enchaîner, je pense, aussi des arrachés. Et puis, on a un petit exercice ici avec une contrainte élastique, un mouvement pliométrique de démarrage et un mouvement explosif. À nouveau, vous voyez le joueur qui est à l'arrière, ben, il fait la première station musculation et puis il passera à l'exercice sur la petite caisse. Un troisième exercice ici, qui est un dérivé de squat, où je viens dans la position basse de squat, où je travaille mes fléchisseurs extenseurs de hanche, avec un mouvement, à nouveau ici, de démarrage à partir de la position genou, où je viens chercher un mouvement qui est explosif. À nouveau, je pourrais travailler sur un heading, par exemple, derrière, ou un exercice quelconque, où je retrouve à nouveau les qualités musculaires que j'ai travaillées au préalable sur l'exercice musculaire et aussi sur la musculation. Alors, quelque chose qui est vraiment important et qu'on va essayer de retrouver le plus rapidement possible, c'est de pouvoir, et c'est un des facteurs dominants au niveau de la performance en foot, c'est de pouvoir être capable de répéter les sprints. Donc, courir vite, c'est bien, mais courir et répéter des efforts de haute intensité, c'est bien mieux. Et donc, ceci, c'est une séquence qu'il est intéressant d'intégrer à l'intérieur d'un entraînement. Et à nouveau, nous, en tout cas, à l'époque, quand on le travaillait sous cette forme-là, on aimait bien l'intégrer à l'intérieur de séquences de blocs de conservation avec des gros blocs, c'est-à-dire d'une dizaine, quinzaine de minutes séquencées où on travaillait en 8 contre 8 avec des appuis extérieurs, avec un certain nombre de touches de balles, 3 touches qui permettaient d'avoir des courses qui sont en intensité pas hyper élevée, mais qui permet d'avoir un mouvement qui est continu et donc de pouvoir déjà avoir un exercice type foot sur lequel on venait, entre les blocs de conservation, ajouter cet exercice où pendant 6 minutes, on allait alterner 2 secondes de sprint, vraiment 100%. Donc, je démarre ici sur le schéma. Vous voyez, je démarre à la ligne de touche et je vais chercher la ligne du grand rectangle. Donc, c'est un sprint qui est explosif. 2 secondes, très intense. On a 18 secondes pour se replacer à nouveau sur la ligne de touche. Et donc, pendant 1 minute, je vais alterner ça 4 fois. Donc, ça fera 2 secondes 18 de récup, 2 secondes 18 de récup. Et donc, on sera sur 3 fois pour arriver à 1 minute. Ensuite, on enchaînera un sprint de 5 secondes jusqu'au milieu du terrain avec une récupération à nouveau pour aller chercher la ligne opposée. Je récupère pendant 20 secondes et puis je reviens à nouveau sur un sprint de 5 secondes milieu de terrain pour regagner à nouveau la ligne de touche en 25 secondes. Et donc, je vais alterner 3 fois cet exercice, 2 secondes de sprint, 18 de récupération pendant 1 minute et puis pendant 1 minute, je vais chercher 5 secondes de sprint, 25 secondes de récupération et je refais le tout 3 fois. Là, on cherche bien évidemment à chercher l'intensité maximale sur un sprint qui est très court et très intense. Une séance type 2, c'est de le faire la même chose sur une distance de 20 mètres avec une alternance de sprint de 20 mètres, 3 secondes, et une alternance avec des navettes 5 mètres, c'est-à-dire que de part et d'autre de mon rectangle de 20 mètres, je vais mettre une zone de 5 mètres pour permettre de faire mon aller-retour en 3 secondes aussi. Cette navette 5 mètres sera alternée par un sprint 20 mètres en ligne droite. Donc pendant 6 minutes, j'alterne sprint 20 mètres ligne droite, sprint navette 5 mètres pendant 3 secondes. Et ici, on est sur un effort de 3 secondes avec 17 secondes de récupération. Une dernière chose qui est intéressant d'intégrer au fur et à mesure des semaines, c'est bien évidemment l'intermittent qui permet d'aller chercher des fréquences de travail et des fréquences cardiaques qui sont relativement hautes. Et à nouveau de le coupler avec un exercice de force. Cet intermittent force se fait donc sous la forme de 2 fois 7 minutes avec des ateliers à l'extérieur qui demande une contrainte musculaire relativement importante sous la forme de pliométrie, sous la forme aussi de mobilisation musculaire avec des modes de contraction. Par exemple, ici, on a
une surcharge en excentrique sur un mouvement tout simplement de squat. On a des mouvements biométriques, on a des mouvements avec résistance musculaire et au centre, on a un groupe qui est en train de tourner, lui, sur un exercice d'intermittent qui aura été prédéfini à 105%. Par exemple, moi, j'utilise plus en saison une VMA que l'on appelle IFT, Intermittent Fitness Test. Voilà, parce que j'ai plus de facilité avec l'outil. Et comme dit Bernard, en fonction, des préparateurs, certains vont utiliser un test plutôt qu'un autre. Voilà, ici, pour l'occasion, nous, on utilisait davantage ce qu'on appelle un intermittent fitness test. Donc, pendant 10 secondes, en fait, il y a un groupe qui travaille sur l'intermittent avec ici un navette. Et puis, pendant 10 secondes, je réalise un exercice à l'extérieur très intense, 20 secondes de récupération et on fait directement le switch. Donc, j'alterne le travail de navette 20 mètres avec le travail à l'atelier, je vais dire, musculaire. 6 à 7 minutes, bien évidemment, puisqu'ici, on est sur un type d'exercice qui est très intense au niveau musculaire et qui est évidemment très, très lactique. Alors, en semaine 4, toujours un travail de force-vitesse. Ici, je vous ai mis 4 séquences différentes de force-vitesse où on va mobiliser des chaînes musculaires différentes, extenseurs, fléchisseurs de hanches, de genoux, travail d'abducteur, travail d'extenseur et fléchisseur de cheville, où on met une contrainte musculaire, on met derrière un petit exercice de mobilisation, soit pliométrique ou avec contrainte élastique, et puis un délestage complet sur un exercice de course, où à nouveau on peut intégrer, ici c'est pas le cas dans les 4 vidéos, mais on pourrait très bien intégrer un exercice type foot avec en terminant par une frappe ou un 1-2 avec un changement de direction ou autre. Voilà un peu en termes de contenu, en tout cas ce qu'on voulait vous faire partager aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Voilà, c'en est terminé en tout cas pour ma partie, donc je peux redonner la main à un des intervenants. Voilà. Rudy, ton micro. Rudy, ton micro est coupé. Voilà, merci Bernard. C'est bon, pas vous déranger pendant vos présentations. Ben, merci à vous deux pour vos deux présentations qui sont très très pratiques. Et je rappelle là, que tout ça est fait quand on va reprendre les entraînements dans des conditions normales. Hein. Voilà. Si on reprend de manière hybride avec des groupes de 4, ça va être très très compliqué. On pourra toujours travailler l'APP comme disait. J'allais dire, à la limite, si on fait par groupe de 4, on a vraiment un exemple, mais j'exagère, un copier-coller de ce qu'on peut faire, puisque les organisations spatiales vont le permettre. Je veux dire, tout ce qui est exercice physique, même technique avec le ballon. Maintenant, c'est clair que tout ce qui est jeu de possession, d'opposition à 4, ça, c'est compliqué. Voilà. Justement, je suis en train de faire apparaître un commentaire, pas de Stéphanie, mais de Michel, hein, qui est sur le compte de son épouse. Donc voilà, je vous laisse le lire. Donc, n'hésitez pas à réagir maintenant si vous avez des questions. Et aussi, peut-être faire part de vos difficultés lorsque vous abordez la préparation physique avec votre équipe, surtout quand on n'est pas préparateur physique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et ils y répondront. Voilà, peut-être une réaction par rapport aux commentaires de oui. Michel. Oui, de Stéphanie, c'est ça, Kokaiko? En fait, c'est le compte de sa femme, mais c'est Michel, en fait. Voilà. Ah, ok, pardon. Voilà, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, nous aussi, on a eu, je réponds à sa question, en juillet, un peu plus de blessures que d'habitude en reprise parce qu'on avait aussi voulu reprendre plus ou moins normalement en se disant ça va reprendre son cours. Nous on avait pris une intensité de match qui était assez importante, comme il y avait un décalage et qu'on voulait jouer des belles équipes, on a dû jouer tout de suite contre des gros morceaux. Donc ça c'est clair que je pense que la remarque elle est un peu générale parce que c'est dû à cette longue inactivité et à une reprise de choses qui n'a plus été faite. Je veux dire, on était un peu dans le contexte de joueurs blessés qui se sont arrêtés
et de reprises avec lesquelles on est beaucoup plus prudent que quand on reprend en début de saison avec un groupe collectif. Ça, c'était pour la première partie de la question. Je veux dire que pour moi, les exercices, ils sont également adaptés aux joueurs de P3 à P4. Personnellement, j'ai fait de la PP de P4 à DA. Donc, voilà, j'ai commencé en P4 pour tester. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut bien sûr adapter, c'est la charge, la répétition, peut-être le nombre de séries. Mais ça, c'est adapté par rapport à la capacité physique et de répétition de vos joueurs. Voilà, Nico, je te laisse ajouter quelque chose. Pour ça, je voulais compléter. Le plus gros risque qui peut arriver aussi, c'est que par manque d'entraînement, on veuille en faire trop. Et donc, souvent, j'entends souvent, aujourd'hui, on aura 2h30 d'entraînement. À la limite, je préfère qu'on travaille sur des intensités qui sont des intensités plus proches de ce qu'on retrouve dans la pratique, mais en diminuant le volume, parce que c'est le volume qui, à un moment donné, c'est comme la course à pied, quand on fait trop de course à pied, il faut être beaucoup de volume. Le risque vient souvent pas de la qualité de l'entraînement en soi qui était trop intense, mais des surcharges qu'on pourrait mettre sur le système locomoteur. Donc, si j'ai un conseil, c'est de pouvoir espacer quand même relativement entre deux entraînements, surtout si on a un niveau qui est moindre, qui n'a pas eu de programmation, etc. De respecter les temps de récupération, comme Bernard l'a dit, et d'éviter d'aller rechercher chez un joueur qui a pu faire de sport depuis des mois un entraînement de 2h ou 2h30 parce que il faut qu'on essaye de rattraper le retard. Quoi qu'il arrive, le retard il sera jamais récupéré si on a un joueur qui arrive à l'entraînement et qui est pas un minimum fit. Ce qui veut dire qu'aussi c'est toujours mieux d'avoir pour avoir eu l'occasion de travailler avec une première provinciale ici dans le cadre du mois de juillet, on avait pris les devants. Sachant qu'ils avaient déjà eu pas mal de mois depuis mars d'arrêt d'inactivité, on avait mis en place deux premiers programmes qui permettaient d'arriver là pour avoir aussi du contenu. Parce que si c'est pour simplement faire, je vais dire, des circuits barre-le-mont techniques, vous ne serez jamais prêt dans 4 semaines, vous ne serez pas plus prêt dans 4 semaines ou dans 8 semaines. Donc voilà, c'est surtout en tout cas, s'il y a quelque chose à faire attention pour moi, c'est d'éviter de trop surcharger en tout cas les séquences d'entraînement et de préférer les séquences d'entraînement qui sont un peu plus courtes et quitte à rajouter une séquence individuelle à faire à domicile de course et là on peut remettre de la capacité aérobie sur des intensités qui soient moins élevées, des durées un peu plus longues pour refaire un peu ce qu'on appelle le réservoir. Ok, on a une remarque de Sébastien. Donc, il dit que les difficultés en P3, P4, pour notre part, c'est que personne n'est au même niveau. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de paramètres qu'une préparation à haut niveau qui est plus pointue. Et on dit certains joueurs aussi s'en vont en pleine préparation. C'est sûr que ce n'est pas la tasse de thé des joueurs, hein, la PP. Non, mais c'est clair que c'est plus difficile. Hein. Tu as le nombre de séquences qui est déjà limité. Mais tu as l'aide, l'assistance, je veux dire, plus tu montes, plus il y a de personnes pour s'occuper des joueurs, plus tu sais subdiviser le travail, plus tu sais le contrôler et plus tu sais individualiser. Donc ça, on est d'accord. Maintenant, en P3, P4, il faut suivre un schéma et se baser sur la majorité du groupe. Le gars qui quitte le train et qui revient dedans, il fait les mêmes exercices que les autres et peut-être lui mettre moins de répétitions. Oui, voilà, c'est une gestion. Ouais. Bon, par exemple, le cas était pour que les circuits endurance vélocité à fouille du début que j'ai montré, ça permet aussi à un moment donné de pouvoir adapter. C'est-à-dire que voilà, sur la première séquence, elle a bien fonctionné. Mais on sent qu'en milieu de deuxième séquence, il y en a qui tirent déjà la langue. C'est de se dire, voilà, ta récup active, au lieu d'aller la chercher au milieu du terrain, tu récupères simplement pour aller chercher l'atelier d'à côté et tu mets une course sur deux, quoi. Donc, il y a moyen aussi d'adapter et parce que le paramétrage ici, il est qu'en timing. Le contenu à l'intérieur, que ce soit l'exercice, je préfère à la limite qu'il puisse enchaîner les exercices de vélocité et que dans un premier temps, la course, il soit un peu court, parce que ça lui permettra de retrouver des exercices à haute intensité et de pouvoir essayer de les répéter. Donc, il y a moyen d'adapter, bien évidemment, en limitant le nombre de courses peut-être au milieu du terrain, en disant, au lieu de faire une course à chaque fois intermédiaire entre chacun des ateliers, tu fais une course sur deux. Voilà une question de Laurent Gérard.
Oui, ben, pour notre part, hein, donc nous on a la chance, parce que c'est une chance, ben, il y a aussi, on est deux PP de formation, donc on a Damien Vandeberg qui travaille également dans le staff, donc on s'est concerné, nous on a gardé beaucoup, beaucoup d'intermittents, parce que bon, ne sachant pas non plus la longueur de la pause, comme on était déjà bien, bien reparti, ben, on a gardé beaucoup d'intermittents en alternant un programme ben, au départ sur 6 semaines, donc avec des semaines fortes et des semaines faibles. Et évidemment, on a mis dans chaque séance du renforcement musculaire, pas du corps bah, uniquement parce que les joueurs ne sont pas équipés en matériel. Donc, ils ne sont pas tous équipés en matériel. Maintenant, celui qui avait du matos, bah, il pouvait utiliser le matos, quoi. Oui, après, en programmation comme ça, en programme, c'est évidemment bah de pouvoir varier au niveau. L'endurance, ce n'est pas que courir longtemps et à faible intensité. Donc, c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir à la fois de faire des sorties en endurance, je vais dire fondamentale, dans lesquelles on met des zones d'intensité, par exemple, 8 sorties sur 2 blocs ou 3 blocs de 20 minutes, dans lesquelles on va demander peut-être d'accélérer ou en tout cas de mettre du tempo sur 7 minutes sur la séquence de travail. Parce qu'il faut se dire que tout simplement, un joueur, il va chercher des fréquences cardiaques qui sont relativement hautes. Donc, à partir du moment où on lui apprend pas à y aller, à aller les chercher, et ça va être difficilement reproductible sur le terrain. Et donc, on utilise, oui, dans ces programmes, bien évidemment, de l'endurance dite fondamentale, mais il y a ce qu'on appelle aussi de l'endurance intensive extensive, où on va peut-être demander des séquences de travail. Ben voilà, pendant 1 minute 30, tu mets du tempo, derrière, tu récupères pendant 1 minute, 1 minute 30 de tempo, et on fait des séquences, et on essaye en tous les cas de pouvoir progressivement dans le programme aller chercher des intensités qui soient un peu plus élevées. Alors, une réaction de Mauro, je suppose que c'est une question, votre point de vue sur un travail PP sur forme jouée et sur travail isolé. Il y a plusieurs méthodes de PP. Donc, ben Nicolas et moi, on travaille plus sur une manière française, une école française. Et alors, tu as la forme jouée qui est plus la méthode Vuren, qui est plus utilisée ben, beaucoup Hollande et évidemment à côté néerlandophone du pays. Ben, je vais dire que idéalement, c'est de coupler les deux. C'est de coupler les deux. Pourquoi? Parce que dans la forme jouée, il y a toujours moyen de se cacher. Il y a toujours de moyens de se cacher. Et puis, tu dépends aussi du ballon, de la qualité de tes joueurs. L'intensité, elle est là. C'est-à-dire, quand le ballon sort beaucoup, ben, le jeu s'arrête. On a beau remettre des ballons. Donc, pour moi, le mieux, c'est une combinaison des deux. Et par expérience, le joueur, à un moment donné, il a aussi besoin de faire une course de plot à plot et de savoir qu'au moment où on siffle, il est au plot et il la digère facilement. Voilà. Moi, je suis vraiment pour l'échange des deux. Maintenant, je comprends aussi que avec le nombre de séances limitées, réduites, ben, on se tourne plus vite vers des jeux avec ballon et c'est normal parce que bon, voilà, le joueur en provincial, il vient aussi d'abord pour son loisir. Donc, il faut que ça reste un loisir. Mais une bonne alternance, pour moi, garde sa grande utilité, et tant physique que psychologique. Oui, puis on a moi, en tout cas, dans ma perception de la préparation physique, je peux pas penser qu'ils viennent à une séance de football sans avoir touché le ballon. Donc c'est pas possible, même dans toutes les préparations qu'on a faites, à quel que soit le moment, n'importe quel moment, à toutes les séances, ils ont touché le ballon parce que voilà, ils en ont besoin, d'autant que là, ils ont été sevrés de ballon depuis des mois. Et donc, oui, travailler en isolé ou travailler. En fait, l'isolé, il n'est jamais totalement isolé parce que, comme je le dis, quand on fait par exemple un travail d'endurance de force, pendant 6 minutes, j'isole la tâche en PP, mais il réintègre derrière. Donc, le fait de passer de l'un à l'autre pour le joueur, je vais dire, il va pas se dire, ah non, je sors dehors, je vais faire de la PP, ou ah, je rentre à l'intérieur, il y a du ballon. Non, ça fait partie de l'entraînement. Et personnellement, je pense que Bernard n'a jamais eu de problématique à travailler sous cette forme-là. Et l'avantage aussi, c'est que de plus en plus, enfin, le joueur, enfin,
ça fait déjà un moment, mais le joueur sait qu'aujourd'hui, le foot se joue sur les qualités physiques. Que sans ces qualités physiques-là, même si tu es bon joueur de foot, tu vas pas pouvoir performer, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours ce débat entre l'isolé, hein, entre la PP pure et l'intégré. Au final, il n'y a pas débat. Les deux se complémentent. Voilà. Souvent, on voit un peu ces débats sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Nous, on a des modes d'organisation qui font qu'à tout moment, on touche le ballon, à tout moment, on fait de la préparation physique, à tout moment, on intègre les deux. Voilà, on n'est pas fermé dans un cadre, enfin, personnellement, et je pense que Bernard non plus, on n'est pas fermé dans un cadre où. Tu utilises, je vais dire, la méthode Verheyen. Ben, d'abord, il faut être bien équipé, hein, parce que si tu veux vérifier des données en jeu, ben, il faut GPS, fréquence cardiaque. Bon, je pense que c'est réservé au club. Au club de haut niveau et d'élite. Hein. Maintenant, c'est très bien si on les a en dessous, hein, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait ? Ben, si le joueur, on estime que le joueur, pendant la partie jouée, n'a pas assez travaillé dans l'intensité, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce que tout le monde fait ? Ben, tu tapes un bloc de course derrière. Donc, tu utilises les deux. Tu utilises les deux. Voilà, je pense que c'est une méthode de travail. De nouveau, ben, si tu es préparateur physique et entraîneur et que tu aimes le mix, tu utilises le mix. Si tu aimes l'analytique, tu utilises l'analytique. Et si tu veux que des formes jouées, tu utilises des formes jouées. Et je vais dire, comme je l'ai dit au tout début, malheureusement, ta réussite sera jugée en fonction de tes résultats. Oui, puis l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on travaille. L'objectif de recherche, si c'est un objectif à atteindre une intensité, il y a des moments où tu diras non, si je mets le ballon, je sais, comme Bernard dit, en fonction de la qualité de tes joueurs, si le ballon il sort toutes les 10 secondes, tu sais que ta fréquence cardiaque, elle va pas augmenter. Et que... Donc il va falloir, c'est notre métier de savoir pourquoi on le fait. Quand je fais un exercice, si derrière je ne me pose pas la question de l'objectif que je cherche à atteindre, c'est que je risque d'être pas bon. Alors, une remarque de Michel Verspecht qui dit « Sans avoir une date de reprise, il me paraît impossible de programmer une PP. » Alors, oui, c'est vrai, mais je pense qu'il faut déjà avoir ces exercices et ces programmes. Et ce n'est pas se dire « Ça recommence demain, qu'est-ce que je fais ?» Non, c'est clair. Hein. Voilà, c'est dans le cadre. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis des streamers qui tirent au niveau international. On n'a pas de date. La première date, elle est pour une compétition internationale, elle était en janvier, elle a sauté au mois de fin février. Donc ça veut dire que j'ai de nouveau 2 mois devant moi. Je peux pas dire, les gars, on se rejoint début février, et là on aura 3 semaines. Donc on est obligé, on doit maintenir ce qu'on appelle maintenir la qualité, essayer de développer ou en tout cas travailler sur les points faibles. Ici j'ai l'avantage de travailler sur de l'individuel ou en tout cas du small group. Mais en tous les cas, dès que le foot va pouvoir reprendre, il faut impérativement relancer le travail de ces qualités physiques-là. Après, une programmation 4 semaines, ça reste, j'appelle pas ça une programmation, ça reste du reprise de travail pour amener ton joueur avec un minimum de qualité à redébuter. Hein, à redébuter quelque chose. Ouais, exactement, et c'était un peu le but, hein, de cette émission aujourd'hui, c'est de dire, c'est sûr qu'on va pas avoir 6 à 8 semaines pour repréparer la reprise du championnat, on va avoir peut-être grand maximum 4 semaines. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 4 semaines ? Voilà. Mais voilà, au moins maintenant, vous avez les outils. À vous, après, de pouvoir les adapter en fonction de votre groupe. Mais il faut toujours pouvoir anticiper et être prêt. Parce que autant on peut reconfiner très vite, mais autant peut-être que dans 15 jours, les chiffres vont drastiquement tomber. Et on va se dire, on va pouvoir reprendre dans des conditions normales, mais encadrées. Hein, toujours en respectant les mesures sanitaires. Et alors, le grand débat... Ça, c'est le grand débat, enfin, je n'y échappais pas, mais encore Michel Verspecht, et je vois que certains réagissent, hein, on est censé former des joueurs de foot et pas des marathoniens. On diabolise beaucoup la PP. Hein, je vais répondre à Michel, humoristique, mais on aime le foot, mais combien de temps, sur 90 minutes, le joueur a-t-il le ballon ? C'est 2 minutes, 2 minutes 30 pour le meilleur joueur. Donc, on parlait des sprints et de l'associé. Je veux dire, vous avez des sprints avec ballon, c'est clair, mais si tu as du sprint, quand tu cours derrière ton adversaire, il est sans ballon.
Donc, il faut adapter. Et c'est clair, c'est pour ça qu'on dit, mettez du ballon, une finition ballon, un thème ballon dans les exercices. Et là, il y a moyen, c'est de la créativité. Mais bon, l'escrimeur, comme il l'a montré, je veux dire, il n'est pas tout le temps avec son épée. Hein. Le handballeur, il n'est pas tout le temps avec son ballon d'handball. Le volleyeur n'est pas tout le temps. Voilà, il y a une base à avoir. Et cette base, elle est travaillée par l'APP, quoi. Je veux dire, la technique et le joueur de qualité, sa qualité ballon, il la garde où il la retrouve. Hein. Il n'y a pas de souci. Oui, puis on fait une reprise avec un arrêt qui a été conséquent. Je peux pas concevoir aujourd'hui qu'on reprenne l'activité juste par la pratique du foot. C'est risqué parce que à nouveau, en fonction de la qualité de tes joueurs, etc., tu risques de pas aller taper dans les bonnes intensités. Et le problème, c'est que le jour où on passe sur un match, là, le cerveau, il est déconnecté et c'est là qu'on risque d'avoir un grand nombre de blessés parce que on n'a pas été suffisamment dans les intensités, et les courses font partie aujourd'hui du foot. On peut pas. Et de toute façon, je prépare pas un marathonien puisque si je devais préparer un marathonien, je ferais pas ces contenus-là. Donc, on n'est pas tous les débats là. Après, c'est un autre débat, mais voilà. De mon expérience, en réalisant ces contenus-là, j'ai jamais eu un de mes joueurs qui m'a dit, écoute, on fait pas un marathon. Donc voilà, c'est une question d'adaptation, de créer des séquences de travail, de jouer sur les thèmes, enfin, sur les timings, voilà, Et le plus important, la relation que tu as avec ton athlète. Parce que qu'est-ce qui fait que ça marche avec un et que ça ne marche pas avec l'autre, avec le même type d'exercice des fois, c'est la relation qui a entre toi et tes athlètes. Hein. Je veux dire, la performance, un joueur de foot qui change de club, il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Je veux dire, c'est l'autour du club, le climat qui règne dans le club aussi, et la relation qui fait qu'on est performant. À Michel, pardon, pour revenir, hein, je pense aussi que ce qu'il va faire aussi, c'est la taille de ton noyau. La taille de ton noyau, celui qui a beaucoup de joueurs et de qualité, évidemment, c'est clair qu'il va peut-être pouvoir mettre un peu plus d'intensité, plus rapide, parce que s'il a 2-3 blessés, ça ne va pas fondamentalement changer son groupe. Maintenant, celui qui a un groupe très restreint, il doit être beaucoup plus prudent, parce que lui, s'il perd un ou deux joueurs, c'est la catastrophe. Voilà, ça, c'est vraiment la gestion et c'est ce qui fait que ça amène la réflexion et justement et l'échange d'un staff entier. Et je veux dire, individualiser à l'échelle de la provinciale, de la P3, la P4, peu importe le niveau, individualiser, moi, je le dis toujours, c'est communiquer. Communiquer, pourquoi ? Parce que souvent, les joueurs, ils ont l'impression qu'ils doivent tous faire tous la même chose tout au même moment. Ouais, mais je sais pas, moi, en P3, individualiser, c'est pas possible. Si tu sais individualiser, parle avec ton athlète. Puis moi, souvent, on me dit, ah, qu'est-ce que tu utilises comme quantification de charge? Quelle méthode tu utilises? Moi, ma méthode, c'est la relation, c'est la communication. Je préfère passer, c'est ce que je faisais systématiquement mon lundi, je passais. Ma séquence, c'était une séance de récupération, mais je prenais plus de temps à parler, à communiquer avec mes joueurs. Je prenais le meilleur, l'athlète qui est le plus performant. Je prends du mieux, qui est. Et voilà, ça permet de quantifier, dire à un moment donné, écoute, demain, on va relâcher un tout petit peu, ou ta troisième série, toi, tu la feras en capacité sur le côté. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel. Et au final, les athlètes, même maintenant, aujourd'hui, où je suis des escrimeurs qui sont pros, je ne les ai quand même que 3 fois 2 heures par semaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une semaine à 7 fois 24 heures, je ne vais pas passer mon temps derrière une quantification de charge, derrière un PC, avoir des graphes, etc. Et ça reste tout à fait ingérable. Je préfère 100 fois passer une heure de plus à préparer mes entraînements, passer du temps à commenter des graphiques ou à un GPS que j'ai été mettre.
on fait dire beaucoup de choses à beaucoup d'indicateurs de performance, mais le plus important pour moi, c'est la relation et l'échange que j'ai avec mon athlète. C'est bien plus important que le reste. Voilà. Je crois qu'on a réconcilié à moitié Michel Aglapépé, finalement. Hein. Idiot, on est bien d'accord. Bon, il reste dans le côté isolé. Mais bon, alors c'est sûr que bon, le marathonien, ce n'est pas le même effort que le footballeur. Hein. On prend toujours cette image-là. Non, mais j'ai... Le ballon, c'est le loisir. C'est le loisir de la chose. C'est pour ça qu'on fait du foot. C'est pour ça que. Donc c'est sûr qu'il est, il est important. Hein, parce que bon, si tu es bon fort physiquement, mais que tu ne sais pas faire une passe, tu n'iras pas bien loin non plus. Voilà, il ne faut pas être justement dans ces extrêmes. Pour moi, un bon entraînement et une bonne saison, un bon entraînement surtout, c'est des entraînements qui sont un peu gris et qui sont un peu plus gris foncé, un peu plus gris clair. Et on ne passe pas du noir au blanc. Voilà, je dirais, tu doses un peu plus, un peu moins, et tu essayes de garder ta courbe normale. Voilà. Et si le joueur a un déficit technique, on pourra toujours l'orienter vers l'athlétisme, alors. Voilà. Une remarque de Michel Godefroy par rapport à la programmation des matchs, hein, par rapport au programme, de voir la difficulté des matchs à prendre pendant ces 4 semaines. Ben, je vais répondre. Et j'avais déjà touché un mot au début. Donc, nous, on avait fait une programmation, mais on voulait un peu des équipes de qualité. Donc, on avait repris, on voulait un peu des DA à B. Donc, on a dû reprendre très vite des matchs. Moi, je pense que c'est plus prudent à l'heure actuelle de commencer avec des équipes de votre niveau ou plus faibles. Maintenant, je vais dire, celui qui commence contre une équipe plus faible, la plus faible, elle commence par une plus forte, mais voilà, d'essayer de chercher des niveaux intégrés, et puis déjà peut-être de recommencer avec des matchs vraiment en groupe, dans ton propre, le plus possible d'opposition aussi dans ta propre structure. Je pense aussi, surtout qu'il est relativement court déjà. Et le risque, c'est d'arriver peut-être avec des mecs qu'on a un peu surchargés maladroitement, et puis d'aller sur un match, il faut quand même le jouer. Donc, on va tu vas tirer 80 minutes au lieu d'en faire 40 initialement prévu. Et le plus gros risque, il va arriver là. C'est d'avoir programmé des matchs, peut-être trop, pour se dire, il faut les remettre dans le bain, on va faire des matchs. Le problème, c'est que l'intensité d'un match, elle est pas contrôlée. Et donc, il y a la fougue, il y a l'envie, ça fait longtemps qu'on a pu jouer. Et puis, les risques, ils viennent surtout de là. Donc, je pense que sur 4 semaines, moi, personnellement, je vois pas le gros intérêt d'aller rechercher des matchs amicaux et des matchs amicaux. Je pense que en s'entraînant bien en groupe, il y a moyen de préparer ça au mieux. Voilà, et remplacer ce match amical par un entraînement supplémentaire, hein, parce qu'on est parti sur 2, c'est 2 la semaine, plus une séance le week-end, ça t'en fait 3. Hein, on aurait peut-être pu mettre 1, 2, 3 séances le week-end. Maintenant, je veux dire, c'est bien, c'est mieux, à la limite, dans un premier temps, je vais dire que c'est mieux de rajouter des entraînements que des matchs. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Si on programme quand même un match, quel conseil on peut donner aux joueurs justement par rapport à l'intensité? Puis comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on va recommencer à jouer, il y aura l'envie qui est là, mais après il y a peut-être la blessure aussi parce qu'on va aller trop loin. Quel conseil on peut donner à ces joueurs alors pour que, par rapport à leurs sensations, pour qu'ils n'aillent pas trop loin justement? Qu'ils écoutent d'abord leur corps, mais ça c'est la règle de base. Donc, moi, je vais dire, d'abord l'entraîneur et le préparateur physique, le staff, il va gérer. Donc, c'est déjà de faire tourner au maximum ton effectif pour essayer de limiter le temps de jeu de chacun dans un premier temps et essayer d'y aller progressivement. Maintenant, de nouveau, quelle est la taille de ton noyau, quelle est les armes en fonction, l'état de forme. Hein, certains sont bons, ils peuvent jouer plus longtemps. Voilà. C'est l'échange. Pour moi, c'est l'échange, le vrai échange. Je veux dire, il ne faut pas se raconter des bobards, parce que quand tu te racontes des bobards, tu passes par la case médecin souvent. Donc, c'est d'adapter par la communication le plus possible le temps de jeu des gens. Voilà. Une question de Jimmy Dubard. Oui, je vais commencer. Je vais dire, le 30-30,
c'est un type d'exercice, il y a l'intensité que tu mets dans ton exercice. Donc tu peux très bien commencer avec de l'intermittent à 90%. Tu n'es pas obligé de commencer avec de l'intermittent à 100% ou 110%. Je vais dire, l'intermittent correspond le mieux à l'exercice demandé dans le foot. Je vais dire, c'est à vous à adapter l'intensité par rapport au résultat des joueurs et de la capacité. Oui, et puis en fonction, si c'est un intermittent en navette, si c'est un intermittent, je vais dire, sur un mi-cercle ou sur une piste, c'est, les contraintes musculaires vont être aussi différentes. Après, c'est pas parce qu'on a des temps d'efforts qui sont courts que pour autant on est sur des intensités qui sont supra élevées. On est en 30-30, ça reste dans la logique des choses. Hein. C'est pas parce qu'on travaille 30 secondes, il n'y a pas de contre-indication en tout cas à la reprise de travailler sous la forme de 30-30. Voilà, c'est toujours l'intensité de l'exercice, l'intensité et la quantité qui fait l'exercice. Hein. Tu commences à courir sur les programmes « je cours pour ma forme », ben les gens courent 30 secondes, ils marchent 30 secondes pendant un certain temps, et puis ils marchent une minute, ils courent une minute. Donc, il n'y a pas d'intensité maximale. C'est justement ça, ben voilà, c'est pour ça que c'est aussi un métier. Hein. On va un peu parler pour les PP, donc dans la gestion, c'est justement de savoir calculer l'intensité à mettre. Tu te remarques les questions de Pierre Salme en deux parties, je vais l'afficher, par rapport à l'importance de l'hydratation et pendant les séances, les types de boissons. Oui, je peux commencer. Donc ici, ouais, l'hydratation, elle va dépendre à nouveau de la qualité du type d'effort. Ce qui veut dire qu'on est sur des efforts où on utilise beaucoup de sucre. Donc, ce qui veut dire que notre réservoir, c'est un réservoir qui est limité, quoi. Donc, à un moment donné, c'est comme le réservoir de la voiture. À un moment donné, qu'il n'y a plus d'essence, on n'avance plus. Donc, il faut éviter à tout prix d'arriver dans le cas où le réservoir est vide parce que ça ne se recharge pas comme ça et on ne peut pas dire un seul coup de main, bam, ça va relancer. Donc, il faut prévoir des boissons qui sont dites isotoniques. Une boisson isotonique, c'est une boisson qui permet de resucrer sans pour autant amener un taux de sucre qui est relativement important et qui pourrait créer des problématiques comme des hypoglycémies réactionnelles qu'on retrouve dans le foot souvent chez des athlètes qui boivent des boissons qui sont dites énergisantes avant le match et qui font augmenter comme ça le taux de sucre de manière exponentielle et qui derrière ils ont les jambes coupées tout simplement parce qu'ils ont créé une hypoglycémie qui est réactionnelle au fait d'avoir augmenté le taux de sucre. Donc le conseil ici, il est relativement simple, c'est que l'hydratation est bien évidemment importante. Et les conseils, c'est très très simple, c'est d'avoir une eau qui est un peu sucrée avec un fond de grenadine, un peu de sel parce que l'hydratation fait que quand il y a de la transpiration, on perd des sels minéraux qui sont essentiels à l'équilibre musculaire. Donc ici, une boisson dite maison très simple, c'est sur un litre, c'est 150 millilitres d'un fond de jus de raisin rouge, par exemple, 150-200 millilitres avec un peu de sucre ou un fond de grenadine avec un peu de sel, parce que ça permet de maintenir en tout cas l'équilibre en sucre. Voilà. Voilà. Et par rapport à l'échelle de difficulté, c'est très intéressant. Je vais dire, on l'utilise quotidiennement, c'est le ressenti. Voilà, parce que tu as beau programmer un entraînement que tu penses qu'il y a une certaine charge, le ressenti n'est pas le même pour chacun, suivant en amateur ta journée de travail, ta situation familiale du moment. Donc je trouve ça très intéressant, et je vais dire, c'est celui qui peut le mettre en place, c'est très bien, et à la limite ça permet de chiffrer beaucoup plus facilement et d'avoir un rapport à plus long terme sur la relation que tu as avec tes joueurs également. Je veux dire, quand tu demandes, t'adaptes. Si tout le monde te dit qu'il est cassé, écoute-les et adapte ton entraînement. Si quelqu'un te dit, moi je ne me sens pas bien aujourd'hui, surveille-le parce qu'il pourrait être plus vite blessé ou avoir un problème. Donc c'est l'échelle de Borg, comme on appelle ça, c'est très bien. Enfin, pour moi, En fonction des préparateurs physiques, en fonction des ressentis, en fonction de la matière. Comme je disais tout à l'heure, moi je préfère 100 fois communiquer plutôt qu'utiliser une échelle parce que c'est
On en a déjà beaucoup parlé à l'époque avec Franck de Failly. Vous faites un taureau un lundi en début de séance avec des mecs qui n'ont pas joué le week-end et les mecs qui ont joué 90 minutes, le ressenti va être différent. Alors, comment est-ce qu'on fait? On en a 6 qui pensent que l'exercice, il vaut 6, l'autre, il pense que ça vaut 8, l'autre, on fait quoi? La question, c'est on fait quoi? Donc, voilà, je pense que oui, on peut l'utiliser, il y en a qui l'utilisent et ça leur permet peut-être de pouvoir structurer leur entraînement. Je pense que chacun a sa manière un peu de quantifier la charge et l'état de fraîcheur de cette groupe. Voilà, ceci, on y a répondu tout à l'heure et vous aviez dit bah, peut-être préconiser un entraînement supplémentaire, voilà, que le match. Voilà, mais ça c'est libre. Une question d'André concernant la fréquence. Moi, je vais te dire de travailler ça à chaque séance. Il faut faire à chaque séance. Mais je vais dire, tu peux faire un passing. Un passing, c'est du travail physique. Tu règles ta distance, tu règles ton intensité. Voilà, je vais dire, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, malheureusement, à 2 entraînements semaine, il faut faire une partie. Voilà, et parfois des semaines un peu plus grosses où la partie physique prend un peu des cycles, où la partie physique prend une plus grande place et pendant 1 ou 2 semaines, et puis on relâche 1 ou 2 semaines avec plus encore de foot que d'habitude, quoi. Oui, puis il y a des exercices types hein, qu'on peut intégrer dans des séquences. Je prends par exemple la capacité à répéter des sprints, hein, les séquences de 2 secondes, 20, de 18 et 5-25 ou 3-17, ça nous permet des fois quand on a un peu moins de temps de dire ok, écoute, après ta conservation ballon, je te les prends 6 minutes, 3 minutes de récupération, je te les prends 2 blocs. Ça permet de l'intégrer à un moment donné et aussi au terme de l'entraînement bah, d'avoir des modulations dans les intensités et de retrouver ce qu'on risque de retrouver en tout cas le plus possible dans la pratique foot. Après, en veille de match, tu vas faire de la vivacité, ça va peut-être être 10 minutes, 15 minutes. Donc oui, je pense aussi que l'intégrer, c'est je suis pas, et je pense que Bernard n'est pas pour dire le mardi c'est que du physique et tous les mardis on fait du physique parce que c'est comme ça, c'est intégré à l'entraînement. Non, ça n'a aucun sens dans une logique de continuité. On va essayer d'intégrer à certains moments, bah, dans des moments de préparation générale, je vais dire, bah oui, il y a des zones de préparation physique générale qui vont être plus importantes, et puis au courant d'année, ça va être du rappel de force, du rappel de vitesse, André dit oui, mais j'ai 4 entraînements en semaine. Maintenant, comme tu disais, Bernard, bah, c'est le curseur, hein, c'est où on va mettre le curseur. Voilà. Moi, je parle, on parlait de gens qui ont 2 entraînements semaine. Maintenant, quand tu en as 4, ben, je vais te dire, rien n'empêche de faire 4 fois du physique puisque ça dépend de ce que tu fais. Quand tu fais de la proprioception, si tu fais un bon échauffement en proprioception, ben, c'est du physique. Mais c'est la partie proprioception du physique. Si tu fais, un passing endurance, c'est de l'endurance dans ton passing. Si tu fais du 4 contre 4, tu as de l'intermittent. Voilà, c'est justement de mélanger, et à la limite, ben, ça lui laisse à 4 entraînements, ben, ça te laisse encore beaucoup plus une variété d'exercices et justement de les mixer avec ballon et sans ballon. Faut pas toujours penser la PP, c'est que de la haute intensité, quoi. Voilà. Il y a tellement de qualités physiques à travailler, on en a parlé tantôt, la force, l'endurance, la souplesse, la vitesse, la vélocité, que à un moment donné, l'avantage du foot, c'est qu'on a un peu de tout là-dedans. Et donc, il faut juste savoir doser au bon moment et voir. Et c'est l'expérience qui fait que on fait des erreurs, on recommence. Voilà, ben, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Si vous avez encore une question ou l'autre, ben, voilà, mais faites-le maintenant. Michel a pris pas mal de notes. Vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube SAF TV. N'hésitez pas aussi à liker notre chaîne. Comme ça, si vous êtes averti des débuts des vidéos qu'on met en ligne, mais aussi des débuts des émissions. Et alors, là, une petite note d'humour de Michel concernant l'hydratation. Voilà, la fameuse troisième mi-temps hein, qu'on a vu depuis longtemps. Non, et qui reste très, 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 très importante et dans le milieu du sport parce que ce qui est le plus dur dans ce confinement, c'est, c'est,
C'est clair que c'est le manque de foot, mais c'est surtout le manque de relation avec, avec ses amis du foot et la famille sportive au sens large et les bonnes petites discussions qui en suivent autour d'une troisième mi-temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut aussi que la reprise du foot se fasse avec la reprise de l'ouverture des buvettes, aussi bien pour le côté social que financier pour les clubs. Tout à fait. Et pour vous hydrater, buvez de l'eau. La boisson, c'est surtout. C'est vrai qu'on pense toujours s'hydrater à la troisième mi-temps. Hein. On pense toujours s'hydrater. Mais c'est un peu l'effet contraire. Allez, une dernière question de Pierre Salme et puis on clôture cette émission par rapport au travail des sprints. Vas-y, Nico, ou je réponds. Vas-y. Le travail de sprint sur fatigue, ouais, ça dépend ce qu'on entend par sur fatigue, mais logiquement, quand on veut travailler la qualité de capacité à répéter les sprints, ben, faut quand même qu'il y ait une certaine fraîcheur. Après, en fonction de où on l'intègre, si on travaille deux blocs après 2 fois 15 minutes de conservation, c'est sûr qu'il y aura de la fatigue qui est là. Je pense que la capacité à soutenir les fins de rencontre, ça dépend de différents facteurs et de cette capacité à avoir déjà un haut niveau de performance en endurance, de pouvoir être capable de répéter. Oui, des sprints. Après, de toute façon, vous allez les faire sur fatigue, ils seront quand même, la qualité sera quand même moindre. Donc ça dépend, oui, ça dépend de ce qu'on cherche à travailler comme objectif, quoi. Si vraiment, quand je travaille à cette capacité à répéter, j'essaye, et en tout cas, ils ont un repère visuel qui leur permet de répéter chaque fois et de voir s'ils sont capables de pouvoir reproduire la même qualité de travail, quoi. Voilà, ben, n'hésitez pas à me suivre et aussi ben, garder les gestes barrières, hein, la distanciation, le masque, la désinfection des mains. Donc, continuons nos efforts. Et c'est une petite promo aussi hein, pour les masques de la Sèvre. Voilà, on a reçu encore une vingtaine. Donc, si vous en voulez, ils sont disponibles sur notre site web, dans notre boutique. Voilà, petite page commerciale. Voilà, ben, Bernard et Nicolas, ben, vraiment un grand merci. Et quand on voit les réactions, ben, je pense que ça a été positif et qu'ils sont ressortis avec pas mal d'idées, d'outils et de programmes. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Et la semaine prochaine, on n'a pas encore défini la thématique de notre prochaine émission, mais ça devrait venir. C'est toujours un peu de semaine en semaine. Hein. C'est toujours un peu assez chaud et en fonction de la discussion. C'est d'époque. Comment ? C'est d'époque. De semaine en semaine, c'est d'époque. Oui, c'est d'époque. On peut anticiper, mais la programmation est difficile. Hein, voilà. Voilà. Un petit clin d'œil à notre ami Michel. Voilà. Et mais ce que je peux vous dire, c'est que le samedi 23 janvier, on aura une émission sur les gardiens de but, hein, sur l'importance d'une gardien de but dans une équipe. C'est toujours le poste, un peu oublié, hein, souvent dans les entraînements, dans les formations. Donc voilà, on aura le plaisir d'accueillir Laurent Derat, donc qui est préparateur physique à l'Union Saint-Gilloise. Je pense que tu le connais, Nicolas. Oui, c'est un bon ami à moi. Voilà, donc on aura Laurent Derat de l'Union Saint-Gilloise. On aura aussi du département formation des cadres, Julien Chalet. Voilà, et aussi un autre invité, mais comme il n'a pas confirmé, je ne vais pas lui mettre la pression en donnant son nom maintenant. Mais voilà, ça ce sera pour le samedi 23 janvier. Et voilà, notre chaîne continuera tant qu'il n'y aura pas de foot. On espère qu'on va pouvoir terminer nos émissions assez rapidement. Comme ça, vous pouvez reprendre vos activités normales et reprendre du plaisir sur, au bord et dans les buvettes. Alors, il y a beaucoup de questions en disant on va recommencer quand. Ben, voilà, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas une boule de cristal. Mais allez voir aussi sur le site de l'ISF, parce que hier, on a diffusé une communication concernant la reprise des entraînements pour les plus de 12 ans, pour les moins de 12 ans. Et la ISF a reprécisé certaines choses parce que
Voilà, il y a eu beaucoup d'interrogations sur nos réseaux sociaux par rapport à ça. Et bah, peut-être que, je vais essayer peut-être de le mettre, comme ça, ce sera peut-être plus facile. Je sais pas si c'est ça. Ok, donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, l'important, c'est aussi, donc on rappelle les règles, hein, rappelle des règles en vigueur, mais aussi sur la fin. Donc, voilà, sur les joueurs plus de 13 ans. Parce que normalement, les U13, c'est 2008. Donc, jusqu'à 2008 et après, ben, ils peuvent continuer à s'entraîner et à jouer des matchs amicaux ou le championnat. Mais ici, voilà, il y a ce que j'ai souligné en bleu. Sachez qu'enfin, qu'à la demande des fédérations et du mouvement sportif, la ISF et la ESS, avaient demandé que les jeunes atteignant l'âge de 13 ans, donc qui sont toujours U13, hein, puisque c'est la saison 2020-2021, puissent terminer leur saison sportive, mais qu'il nous a été répondu que les règles en vigueur ne le permettaient pas. Donc ici, le but, ce n'est pas de polémiquer. Le but ici, c'est de vous faire part des règles en vigueur, alors qu'on l'accepte ou pas, voilà, ça ne change rien, elles sont là. Donc, les fédérations essayent un maximum de changer cela. C'est vrai que ça a l'air un peu illogique qu'un gamin qui a 12 ans en septembre et puis qui a 13 ans aujourd'hui, le 9 janvier, ne puisse plus continuer à s'entraîner et à jouer. Donc, voilà, mais je pense que l'ISF et les fédérations sportives en coulisses essayent de voir. Mais bon, force reste à la loi. Et c'est le ministre qui décide et on doit respecter les règles. C'est dur pour tout le monde, comme aussi dans le domaine professionnel, hein, dans l'ORECA et autres. Beaucoup ont pâti de cette situation-là. Il n'y a pas que le foot. Mais voilà, donc sachez que ne tirez pas à boulet de canon sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Ça ne changera rien. Mais derrière, en coulisses, voilà, les fédérations et autres essayent de faire évoluer et changer les choses. Voilà, petite précision par rapport à ce qu'on a diffusé, et on l'a rediffusé, ce communiqué, sur notre page Facebook. Voilà. Ben, merci à tous les trois, comme dit Patrick Deville, que je salue. Donc, je pense que ça a été bien suivi, et je pense que vos exposés, explications et outils étaient très clairs, et je pense vont servir lorsqu'on va reprendre le chemin des terrains. Voilà. Alors, merci à vous. Merci. Voilà, Bernard, Nicolas, restez encore, je vais couper juste le live et on va se retrouver. On discute. Voilà. Merci. Et à bientôt au bord de terrain. À bientôt. Oui, c'est ce qui manque en fait. On se voit, heureusement qu'il y a la technologie. Hein, parce que sinon, je pense qu'on serait beaucoup plus déprimés. Parce qu'on se voit, si on n'avait pas finalement, bon, on diabolise toujours Internet et autres, Facebook, mais voilà. Heureusement qu'on a ces visions, et c'est vrai que ça a été un boom par rapport à ça. Mais bon, je ne sais pas vous, mais moi, je crois que je fais plus de réunions qu'avant. Tu vois, parce que c'est vrai on aime mieux les réunions en préventiel qu'en virtuel, hein, même si… Voilà. Exactement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le déplacement ici. On est chez soi, on n'a pas le déplacement. Donc, on gagne du temps, mais on en fait plus, en fait. Je ne suis pas sûr que… on gagne plus de temps en faisant présentiel ou pas. Enfin, soit. Mais bon, voilà, heureusement qu'on a ça et qu'on puisse rester tous ensemble connectés, qu'on puisse partager au sein de cette communauté. Voilà, je vous dis bye bye. Restez en ligne, Bernard et Nicolas.